Allez, nous allons au sous-sol. Lucie, ne me laisse pas. Ah, des petites bougies, c'est quoi ici? Super. Cette tache sur le mur. Bonjour Caroline. Bonjour Dorothée. Qu'est-ce que t'as fait pour Halloween? J'ai décidé de vivre le lugubre à fond. Finalement. Et donc, je suis allée à la course zombie The Dark. J'ai amené Lucie avec moi, voilà, qui à la base n'avait pas trop envie, mais je l'ai un peu obligée et elle n'a pas regretté. Parce que voilà, moi j'adore les zombies. Mon rêve dans la vie, c'est qu'il y ait une apocalypse zombie. D'ailleurs, j'étais un peu déçue parce que dans la course de zombies, on pouvait pas les toucher, on pouvait pas les dégommer avec des battes et tout. Et ensuite, j'ai pris ma deuxième victime, Océane, et je l'ai amenée au manoir de Paris. Et le thème cette année, c'était Asylum. Donc, c'était extrêmement gore, disons-le. C'était tous horribles. Bref, c'est le manoir de Paris, c'est trop bien. Pourquoi faire juste une soirée d'Halloween? Ça n'a pas de sens. Il faut vivre l'Halloween et respirer l'Halloween, boire l'Halloween. Il y a des gens partout! Mais t'aimes bien avoir peur en fait? Oui. Tout à fait. Parce que ça me détend. Bon, reportage de l'extrême. Donc on va commencer la course. Le problème c'est qu'on n'a pas de lampe frontale, donc ça complique un peu la chose, je pense. Voilà. Du coup, on va vraiment être dans le noir total et devoir s'en sortir. J'ai vraiment eu peur alors que c'est des faux zombies. Donc c'était un immeuble désaffecté de 5 étages. Et en fait il fallait trouver son chemin avec un plan relativement incompréhensible. En gros c'est censé trouver plein de médicaments qui pourraient genre tous ensemble faire un vaccin contre les zombies quoi. Il fallait aussi qu'on trouve la ligne d'arrivée et on avait que 1h30 pour faire tout ça. Et chaque minute de retard, et ben ça nous valait des gros malus. Malheureusement pour Lucie, elle a perdu toutes ses vies qui nous avaient valu pas mal de points en moins. Donc je ne la ramènerai plus. Pourquoi on fait ça? Attends meuf. T'entends pas un truc? Attends, viens. Pourquoi on trouve pas? Je comprends pas. Mais c'est où? Je comprends pas. Putain, y'a rien, y'en a aucune. On est où là en fait? Dans un étage comme ça, il fait tout noir et tout, et là on entend. Donc ça n'est pas hyper à l'aise. Les zombies commencent à nous courir dessus. Alors qu'est-ce qu'on fait? On s'enferme dans une salle vitrée. Enfin, au début on s'est perdu. J'ai découvert qu'en fonçant sur les zombies, bah ils n'avaient pas le temps de nous attraper. Donc en fait, pour tuer un zombie, le tas dessus, il faut lui foncer dessus finalement. Et là il y a plein de zombies qui nous ont encerclés, genre qui m'étirent sur les vitres et tout, qui disent blablabla. C'était assez drôle. Et puis après ils en ont eu marre, donc ils sont partis. Puis finalement c'est des zombies, donc voilà, ils ont pas que sa faute quoi. Il y a du mal à bouffer. Et donc on a enfin pu sortir. C'était relativement drôle. Ça va Lucie? Vous ne nous aurez pas! Bitches! Je vais pas bien. C'est le sous-sol. Quand je vais dans des trucs comme ça qui sont flippants, et ben en fait ça me détend parce que du coup forcément comme t'es dans le moment, en fait t'es trop occupé à avoir peur pour penser, tu vois, tu peux pas être dans ta tête. Donc du coup t'es forcément à l'extérieur de ta tête et moi ça m'arrange parce que je suis trop dans ma tête dans la vie. Donc du coup je sors de ma tête et je suis dans le moment présent. Et du coup ben quand je sors de là je suis détendue as fuck. Est-ce que tu as des conseils pour les flippettes? Ben si tu fais le manoir de Paris ou les trucs de zombies, en fait c'est du faux. Voilà, finalement, personne va vraiment te bouffer. Déjà, plus tu vas faire des trucs qui te font peur, moins tu vas avoir peur. Déjà, ça c'est un fait. Parce que quand tu vas aller faire ta course zombie et que tu vas avoir survécu, bah tu vas te sentir satisfaite comme Jaja et tu vas être là, j'ai réussi. Et du coup, tu vas te sentir comme une warrior et du coup, bah tu vas plus avoir peur de rien.
elle est folle. Moi, je vais pas survivre. Hein. Voilà, et le thème de l'année, c'est Asylum. Donc, nous allons peut-être mourir, égorgé par des fous. Voilà. Et ça va durer, je viens d'apprendre à l'instant que ça durait 45 minutes. C'est-à-dire que je vais passer 45 minutes là-dedans. Je ne sais pas ce que je fais là. Voilà, j'ai très peur. C'est parti. J'ai déjà peur. Bienvenue dans notre établissement. Votre poignet, s'il vous plaît. Ah oui, d'accord. Bon, c'est jouable. On s'occupe bien d'eux. Oh, damn. C'est une vraie personne, ça? Tu vas pas écouter! Tu vas pas écouter! C'est vous qui devriez être à ma place! Non, ça va! Chut! Quelle angoisse! Isabelle! Passez-moi ma secrétaire, c'est urgent! Et donnez-moi mon téléphone immédiatement! Salut, docteur! Salut! Bonjour! Oh, je respire! Putain! Oh putain! Ça, c'est pas cool, ça! Vraiment! J'ai trop... Ah, voilà! Oh, bonjour! Le médecin va vous prendre en charge. Hey, tu veux que je te tripe ou quoi? Un autre jour peut-être. Oh là là. Une petite séance de. Ça a l'air d'être un groupe de paroles. Ça a l'air sympa. Pourquoi t'avances pas? Avance. Ok, ok. On s'en va? Ouais, on peut y aller? Taisez-vous. C'est l'heure du traitement. Ah, j'adore les traitements. On va récupérer tout ce que vous avez. Ah oui, c'est le moment. Hier et caméra. Ouais. Oui, ça Océane est ravie d'être venue, n'est-ce pas? Franchement, je me sens bien là, tu vois, comme quelqu'un qui a survécu. Voilà, exactement. Genre, tu te sens trop bien quand t'es sortie. Et ça te vide la tête à 100%, tu sais plus où j'habite, tu sais plus qui je suis. Ouais. Non, je vois, ça me sent grave bien en vrai. Et on faisait grave les malines au début, en mode ça va, tranquille. Et après, ils nous ont eu, clairement. Ouais. Il y a eu toute une fin en fait où on pouvait plus filmer, donc tu n'as pas pu voir. Puis en fait, à la fin, c'était le noir total. Et qu'on a vraiment cru qu'on était dans les canalisations à un moment donné. C'était horrible. Voilà. Joyeux Halloween. Et voilà, les malheurs de Paris, vraiment. Est-ce que je recommande? Oui. Ah franchement c'était trop cool. Et puis ouais, même les décors, les gens, genre tout est trop cool. C'est hyper bien fait vraiment. Mais quand même âme sensible, s'abstenir. Clairement. Donc en conclusion, moi je suis une personne qui a peur de rien, qui peut tout faire. Rien ne me fait peur finalement. Je suis une valeur de la vie, voilà on peut dire. Est-ce que t'es en train d'avoir peur? Non, pas du tout. Eh bien j'ai mangé une tarte au citron et elle avait un goût de dissolvant. Donc du coup j'ai continué à la manger parce que je me suis dit, vu que je suis un peu chiante avec la bouffe, ben c'est peut-être juste que c'est un goût de citron et il faut que je sois sûre. Mais plus je mangeais, plus j'étais vraiment sûre que c'était bien du dissolvant. On verra comment ça se passe. Le truc c'est que la tarte, elle peut vraiment te rendre malade alors que les zombies, en vrai... Tu peux échapper aux zombies, tu peux pas échapper à ta propre digestion finalement. À méditer.